Alors, bonjour tout le monde. On va maintenant faire l'intra de 2013, c'est-à-dire le deuxième intra. Alors, en 2013, j'avais des vrais ou faux. De temps en temps, j'avais des examens qui avaient des choix de réponse, une ou deux questions. Les examens dorénavant, c'est tous des examens de développement. Il n'y a aucun vrai ou faux, mais par contre, la matière, elle est bien couverte dans ces vrais ou faux. Alors, question numéro un. L'objectif premier de tout gestionnaire est de maximiser la valeur des actionnaires. C'est vrai. Alors, le but de tout gestionnaire, ce n'est pas de maximiser les profits, c'est de maximiser la valeur des actionnaires. Alors, on avait vu en classe un exemple où est-ce qu'on avait une croissance dans les ventes ou versus un rachat. Le rachat ajoutait de la vente et la croissance réduisait la valeur des actionnaires. Donc, toutes les variables aléatoires, alors le gouvernement, les taxes, les salaires, les syndicats, tout ça, c'est une variable dans une fonction et le but final, c'est de maximiser. Par contre, j'ajouterais un terme, ce serait de maximiser la valeur des actionnaires à long terme. Donc, à court terme, je veux dire, c'est pas un bon exemple de ça, c'est le prochain quart fiscal n'est pas important, c'est le prochain quart de siècle qui est important. Alors, on a parlé d'aversion au risque au premier cours. Alors, une personne qui est moins averse au risque est prête à accepter un rendement plus faible sur un investissement risqué. Ça, c'est vrai. Alors, aversion au risque ne veut pas dire qu'on évite le risque. Ça, c'est l'aversion à la perte. Aversion au risque, ça veut dire, alors, pour une personne qui est moi, comme moi, qui est probablement moins averse au risque que mes étudiants, alors moi, ça fait quand même 15 ans que j'investis à la bourse. Je suis au courant du risque que je prends et je prends plus de risques que la plupart des personnes qui investissent. Donc, j'investis dans des options. Alors, moi, je suis moins averse au risque. Donc, pour le niveau de risque que moi, je prends, je m'attends à faire un rendement de 15-20 %. Mais la plupart des personnes, pour le niveau de risque que je prends en ce moment, ne seraient pas prêtes à accepter ce risque pour moins de, disons, 50 % par année. Donc, une personne qui est plus averse au risque va demander un rendement supérieur pour le même montant de risque. Alors, pour des bons du trésor, une personne qui est moins averse au risque va préférer des bons du trésor qui payent du 3 %. Mais pour un portefeuille diversifié, moi, je suis prêt à accepter 10 %. Pour quelqu'un qui est plus averse au risque que moi, je ne serais pas prêt à accepter un portefeuille diversifié parce que pour 10 %, c'est trop de risque. Alors, un coefficient de corrélation ne peut jamais être plus grand que 1, c'est vrai. J'ai déjà donné un examen où est-ce que j'avais deux variables aléatoires parfaitement corrélées. Je pense que c'est en 2020 ou en 2021. Les deux variables étaient parfaitement corrélées. J'ai eu plusieurs étudiants qui m'ont remis la corrélation, mais en arrondissant avec la calculatrice, la réponse était de 1,001. Et j'ai donné 3 points sur 5 parce que c'est une erreur de compréhension. Le coefficient de corrélation, s'ils sont parfaitement corrélés, est égal à 1. Il ne peut pas être plus grand que 1 par sa définition. Et s'ils sont parfaitement négativement corrélés, ça veut dire qu'ils bougent parfaitement en sens inverse, alors le coefficient de corrélation serait égal à moins 1. Alors, une corrélation parfaite, ben, ce serait la température en Celsius versus la température en Fahrenheit. Alors, pour un taux d'intérêt plus grand que zéro, une annuité immédiate vaut toujours plus qu'une annuité due. C'est faux, parce qu'une annuité due, notre premier paiement est aujourd'hui. Une annuité immédiate est la fin de la période. Le deuxième paiement pour une due, c'est dans un mois. Pour une immédiate, c'est dans deux mois. Alors, tous les paiements d'une annuité due, on les reçoit une période en avance. Alors, si le taux d'intérêt est positif, le taux d'intérêt ne peut pas logiquement être négatif, bien, ça voudrait dire que la valeur d'une annuité due vaut 1 plus i fois la valeur d'une annuité immédiate. Pourquoi? Tous les paiements, on les reçoit plus de bonheur. Tandis qu'une annuité immédiate, si on reçoit en fin de la période, on les actualise avec une période de plus d'intérêt. Donc, on divise par 1 plus i une fois de plus pour chaque cash flow avec une annuité immédiate. Alors, par la suite, c'était les questions. Alors, votre examen va avoir un certain nombre de questions à développement. Alors, question numéro 1. Combien d'années prendrait un investissement de 100 000 $ à atteindre 400 000 selon la règle de 72 si le taux d'intérêt est de 8 %? Alors, ici, c'était selon la règle de 72. D'ailleurs, même, je serais prêt à dire que je devrais le souligner.
Alors, la règle de 72, c'est une approximation pour calculer les intérêts. Alors, si on prend 72 divisé par le taux d'intérêt, ça nous donne approximativement le nombre d'années nécessaires pour qu'un investissement double en valeur. Alors, si on demande combien d'années il prendrait un investissement de 100 000 à atteindre 400 000, ça veut dire que 100 000 devrait doubler à 200 000 et par la suite, 200 000 devrait doubler à 400 000. Donc, c'est un investissement qui devrait doubler deux fois. Alors, si le taux d'intérêt est de 8 %, 72 divisé par 8, c'est égal à 9. Ça prend approximativement 9 années pour un investissement double en valeur. Alors, si vous regardez, alors si vous faites 1,08 à la puissance 9, alors 1,08 à la puissance 9, ça vous donne 1,99999. Vous voyez, c'est une approximation qui est assez, qui est assez proche. Alors, dans 9 ans, 100 000 vaut 200 000. Dans un autre 9 ans, 200 000 vaut 400 000, donc 18 années. Question 2. Le taux effectif est de 7 %. Quelle est la valeur d'une rente mensuelle de 1 200 payable en début de période pendant 10 ans? Alors, on convertit 7 % en taux mensuel, une rente mensuelle. Donc, le taux effectif, 1 plus 7 %, c'est égal à 1 plus le taux mensuel à la puissance 12. Et le taux mensuel, c'est I12 sur 12. Donc, 1,07 à la puissance 1 douzième moins 1 fois 12, c'est le taux nominal. Et si on ne multiplie pas par 12, c'est le taux périodique. I12 sur 12, c'est le taux périodique qui est égal à 0,5654 %. Important, avec votre calculatrice, vous devez rentrer ça en format pourcentage et non rentrer 0,005654. Et la valeur, quelle est la valeur d'une rente mensuelle de 1 200 à 1 200 payables en début de période pendant 10 ans? Je ne vous demande pas quelle est la valeur actuelle, je ne vous demande pas quelle est la valeur future, mais si vous avez une rente de retraite et vous avez 65 ans aujourd'hui, vous recevez 1 200 en début d'une période pendant 10 ans. À 75 ans, votre rente, elle est pleinement payée, elle ne vaut plus rien de votre point de vue. Donc, ce n'est pas la valeur future. Alors, la valeur future, c'est si on place 1 200 dans un REER pendant 10 ans. Alors, c'est de l'argent qui va accumuler. Alors, s'il y a une rente qui est payable, on veut savoir quelle est la valeur pour nous aujourd'hui, alors à notre retraite. Donc, c'est la valeur présente de 10 années de paiement mensuel, donc 120 paiements mensuels en début de période, d'où le tréma, de 1 200 au taux d'intérêt. Donc, 1 200, c'est paiement, N est égal à 120, taux d'intérêt est égal à 0,5654, compute present value, et ça nous donne notre valeur actuelle de cette rente. Problème numéro 3. Un travailleur possède 400 000 dans un compte de retraite. OK, alors, un travailleur aujourd'hui a déjà 400 000 dans son REER. Il va investir 600 000 à la fin de chaque année jusqu'à dans sa retraite dans 10 ans. Alors aujourd'hui, il y a 400 000 dans son compte. Ce 400 000 va accumuler avec intérêt. En plus, il va mettre 10 paiements à la fin de chaque année pendant 10 ans dans ce compte. Alors, par la suite, dans 10 ans, le compte va avoir accumulé jusqu'à un certain montant. On va l'actualiser à du 6 %. Donc, on a 400 000 qui est placé à du 6 % pendant 10 ans. En plus, il ajoute un 6 000 supplémentaire placé dans le compte qui va accumuler à du 6 %. Donc, autant T est égal à 10 dans 10 ans, il devrait avoir 795 000, 423,85. Par la suite, on demande combien de retraits de 60 000 à la fin de chaque année pourrait-il effectuer après la retraite si le taux d'intérêt est de 6 %. Donc, dans 10 ans, il va avoir 795 000 dans son compte de retraite et il veut prendre des paiements de 60 000 à la fin de chaque année. Donc, quand il prend sa retraite dans 10 ans, il y a un certain montant dans son compte, il va être capable de recevoir des paiements en fin de période, donc le A n'a pas de tréma dessus, pendant N périodes, encore une fois, escompté à du 6 %. Alors, il pourrait recevoir 27 paiements de 60 000, plus un dernier paiement qui serait inférieur à 60 000. Donc, il va avoir 27 paiements complets de 60 000 avec ce REER. Donc, en d'autres mots, s'il y a 55 ans, il y a 400 000. À 65 ans, le 400 000 va accumuler. En plus, il va avoir 6 000 accumulés pendant 10 périodes. À 95 ans, il y a un certain montant.
Et il y a assez d'argent pour lui payer une rente de 60 000 en fin de période jusqu'à l'âge de 92 ans et quelques mois. OK, au taux effectif I, la valeur de chacune des rentes est égale à 20. Une perpétuité qui verse 1 $ à la fin de chaque période de 6 mois. Et une perpétuité X qui, à la fin de chaque période de 2 ans. Donc, on doit trouver le taux périodique. Alors, premièrement, on va trouver le taux effectif. Alors, pour la première rente, une perpétuité de 1 $ à la fin de chaque période de 6 mois vaut 20 $. Donc, et le taux d'intérêt ici, c'est le taux d'intérêt 6 mois. Alors, I2 sur 2. Donc, 20 $ c'est égal à la valeur présente de cette rente qui est égale à 1 divisé par I. Alors, R divisé par I, c'est la valeur de cette perpétuité. I étant le taux d'intérêt 6 mois. Et donc, en conséquence, le taux d'intérêt 6 mois est de 5 %. 5 % est converti en effectif vaut 10,25. Ce n'est même pas nécessaire de calculer le 10,25 pour cette question. Par la suite, on a une perpétuité qui verse X à la fin de chaque année, à chaque période de 2 ans. Donc, on veut savoir quelle est la valeur de X payée à chaque période de 2 ans qui est égale à 20 $. Donc, le taux d'intérêt effectif, c'est 10,25. Et on veut savoir quel est le taux d'intérêt aux 2 mois. Alors, on veut savoir quel est le taux d'intérêt qui est, aux 2 ans, je veux dire. Quel est le taux d'intérêt périodique 2 ans? Alors, quand on regarde I12, c'est un taux d'intérêt qui est payé 12 fois par année. Quand on regarde I4, c'est un taux d'intérêt qui est payé 4 fois par année. Alors, comment est-ce qu'on calcule un taux d'intérêt qui est payé à chaque 2 ans? Mais c'est un taux d'intérêt qui est payé une demi-fois par année. Donc, I une demi sur une demi, ce serait le taux périodique. Et une période, c'est 0,5. Alors, 1 plus IM sur M à la M est égal à 1 plus le taux effectif. Tout comme si c'était un taux qui était converti 12, 6 ou 2, 4 fois par année. On a ici, ça va tout le temps être 1 plus IM sur M à la puissance M est égal au taux effectif. Ici, on a des paiements à chaque 2 ans, donc une demi-fois par année. Donc, 1 plus I une demi sur une demi à la puissance une demi. Et I une demi sur une demi, c'est le taux d'intérêt qui nous intéresse. Donc, 1 $ placé à du 10,25 % pendant 2 ans, ben, on aurait 1,2155. Alors, c'est le taux d'intérêt. Alors, si on place quelque chose pendant 2 ans, chaque période de 2 ans, ou chaque, c'est ça, chaque période de 2 ans, on crédite 21,55 $. Et donc, 20 est égal à X, R divisé par I, ou ici, X divisé par I, X est égal à 4,31. Alors, 1 $ payé aux 6 mois est égal à 4,31 payé à la fin de chaque 2 ans. Question 5. Afin de s'acheter une maison, un client emprunte 200 000 de la banque au taux de 6 % convertible mensuellement. Donc, I12 est égal à 6 %. I12 sur 12 est égal à 0,5 %. Le prêt est d'une durée de 25 ans, donc 300 mois. Et les paiements sont au début de chaque mois, qui est un peu rare. Normalement, on emprunte puis on paye à la fin du mois. Mais écoute, il n'y a rien qui... ça se pourrait. Après 5 ans, le prêt est renégocié à 5,4 % convertible mensuellement, mais les paiements demeurent inchangés. Que serait la durée totale du prêt? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On calcule premièrement la mensualité. Cette mensualité, elle est payable sur 25 ans, 300 paiements. Après 5 ans, les taux d'intérêt ont chuté. Donc, normalement, si on veut garder la même durée du prêt, on aurait une mensualité qui serait inférieure. Mais vu que cette personne est prête à payer cette mensualité, il dit, écoute, je vais continuer de payer la mensualité. Et en conséquence, au lieu de payer sur les 20 ans qui restent, il va payer sur moins que 20 ans. Alors, quelle est la réduction du prêt total? Donc, une valeur présente de 200 000 est égale à la valeur présente de 300 paiements en début de période de R, escompté à du 0,5 %. Donc, la mensualité est égale à 1282,19. Après 60 paiements, après 5 ans, il reste 240 paiements à être faits. Donc, le solde du prêt après 60 paiements, c'est la valeur présente de 240 paiements de R en début de période, escompté à du 0,5 %. Donc, le solde du prêt après 5 ans, c'est 179,864,17. Maintenant, on va garder la même rente, sauf qu'on va payer cette rente sur moins de paiements. On a un taux d'intérêt nominal de 5,4 %. Donc, 5,4 I12 est égal à 5,4 %. Donc, I12 sur 12 est égal à 0,45 %.
Donc, normalement, on devrait payer moins, mais vu qu'on paye plus que le montant qui est nécessaire, la durée du prêt va être réduite. Et donc, N est égal à 220, il reste 221, 221, 220 mois à payer, 220,5. Donc, la durée totale, ben, c'est les 5 ans qu'on a initialement payés, plus les 220,5 qui nous restent. Alors, 220,5 divisé par 12, c'est égal à 23 années. Alors, au lieu de payer, vu que les taux d'intérêt ont chuté, au lieu de payer sur 25 ans, on va payer sur 23,37, donc 23 années et 4 mois, plus ou moins. L'inverse est vrai aussi. Alors, les taux d'intérêt sont en train de grimper maintenant. Alors, si vous renégociez votre taux d'intérêt, si le taux d'intérêt a grimpé, vous renégociez après 5 ans. Alors, si vous voulez garder la même mensualité, qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre prêt va être payé sur une durée plus longue. Question 6. Une personne qui a accumulé 500 000 dans son REER envisage recevoir des prestations de retraite débutant dans un an. Donc, le premier paiement dans une année. Pendant les 10 premières années, il veut recevoir 30 000 et par la suite, il veut recevoir X. Si le taux était d'intérêt de 7%, quelle est la valeur X? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Alors ici, je l'ai calculé d'une façon, mais j'aurais pu le calculer d'une autre façon. Alors, 500 000, c'est la valeur aujourd'hui. C'est égal à la valeur des 10 paiements de 30 000 qui vont se faire pendant les 10 prochaines années. Par la suite, au temps T est égal à 10, on a une rente de X qui est payée. Donc, la valeur de cette rente, X, qui est payée perpétuellement, c'est égal à X divisé par I. Ça, c'est la valeur dans 10 ans. Donc, on doit la ramener au temps T est égal à 0. Une autre façon qu'on aurait pu faire ça, c'est qu'à la place, on aurait pu se placer au temps T est égal à 10. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais mettre une deuxième réponse. Donc, une autre façon de le faire, c'est que j'ai 500 000 aujourd'hui. Ce 500 000 va accumuler à du 7%. Et je vais soustraire à ce 500 000 les 10 paiements de 30 000 que je vais faire les 10 prochaines années. Alors, qu'est-ce qui resterait? Ben, c'est dans 10 ans, le montant qui reste dans le fonds, ben, ça servirait à payer une rente de X qui serait payée perpétuellement. Et donc, une rente de 39 835 et 76. Alors, c'est deux façons de le faire. Il y a plusieurs façons de répondre à toutes les questions. Donc, question numéro 7. Un prêt est amorti sur 20 ans à 10% effectif. Après le 10e versement, le solde est de 144 347 et 71. Et après le 11e, le solde est de 135 290 et 55. Si les versements se font à la fin de chaque année, quel est le montant du prêt? Donc, le solde du prêt, après le 10e an, oups, ici, une petite coquille. Donc, ça, c'est beau. Ouais. Alors, le solde du prêt après 10 ans, alors, c'est 144 000. Donc, si on voulait rembourser notre prêt après notre 10e paiement, on devrait payer 144 000. Alors, le 144 000, il va accumuler à du 10% pendant l'année. À la fin de l'année, on va faire un autre paiement de R. Alors, les versements se font à la fin de chaque année. Alors, à la fin de l'année, on va faire un versement de R. Et qu'est-ce qui nous reste? Ben, c'est le solde au temps T est égal à 11. Donc, c'est comme j'ai une carte de crédit où est-ce que je dois du 10%. À la fin de l'année, je paye un montant. Alors, c'est le solde du prêt après 11 années. C'est maintenant 135 290. Et donc, le paiement de la mensualité, elle est de 23 491 et 93. Alors, un prêt est amorti sur 20 ans. Alors, N est égal à 20. I est égal à 10%. Le paiement est égal à 23 491. Compute present value, ben, c'est égal à la valeur est égale à 200 000. Alors, c'était un prêt de 200 000 $. Alors, une rente de retraite, question 8, une rente de retraite est versée au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, donc aux 6 mois pendant 30 ans. Le premier versement est de 22 000 et chaque versement suivant est indexé de 1%. Alors, G est égal à 1%. Premier paiement de 22 000. Quelle est la valeur de la rente au moment du premier paiement si le taux effectif est de 8,16%? OK, alors, très important ici. Ça, c'est une des astuces. Alors, il y a une section astuces dans mon recueil. Alors, pour une rente en progression géométrique, le premier paiement doit se faire dans une période. Donc, il y a deux façons qu'on peut décortiquer le problème.
Alors, je l'ai fait d'une façon, mais il y a une deuxième façon, je vais l'expliquer verbalement. Alors, premièrement, on trouve le taux d'intérêt périodique. Alors, 8,16 % par année, payable deux fois par année, c'est égal à 4 % aux 6 mois. Et maintenant, comment est-ce que j'ai découpé le problème? Alors, j'ai des paiements pendant 30 années. Alors, deux fois par année, alors j'ai 60 paiements en tout. Mais le problème, c'est que le premier paiement est aujourd'hui, puis notre formule de rente en progression géométrique, le premier paiement doit être dans une période. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le paiement qui est aujourd'hui et je vais le séparer des 59 autres paiements. Donc, j'ai 22 000 qui est payé aujourd'hui et j'ai 22 000 indexés à du 1 % qui va être payé dans une période. Et chaque paiement subséquent va croître de 1 %. Alors, le paiement dans une période, ça va être 22 000 plus 220. Alors, ça va être 22 000, ben, 22 220. Va être le paiement dans une période et ça va être le premier d'une série de 59. Alors, en tout, je vais avoir 59 dans ces 30, plus un 60e paiement, le premier paiement au temps T est égal à zéro. Donc, la progression géométrique, alors, c'est le premier paiement, 22 000 fois 1,01, fois 1 moins 1 plus G divisé par 1 plus I à la N. Alors, cette progression est le 59 paiements divisé par I moins G et ça me donne ma réponse. Il y a une autre façon qui serait peut-être plus facile si vous voulez. Vous pouvez commencer par faire votre calcul au temps T est égal à remonter dans le passé. Alors, écoutez, je vais l'ajouter. Donc, une autre façon de faire le calcul, c'est que placez-vous 6 mois avant le premier paiement. Chaque paiement se fait aux 6 mois. Donc, placez-vous 6 mois avant le tout premier paiement. Et donc, si le premier paiement se fait aujourd'hui, il y a 6 mois, c'est une progression géométrique de 60 paiements. Alors, la valeur d'une progression il y a 6 mois était de 606 689,66. Et si on veut savoir quelle est la valeur 6 mois plus tard, bien, c'est tout simplement 606 689 actualisé à du 4 %. Donc, question 9. Au 1er janvier, un portefeuille est composé 100 000 $ du titre A, 100 000 en B, 100 000 en C et 100 000 en D. Le rendement du portefeuille durant l'année était de 10 %. Le rendement du titre A était de 8 %, le rendement du titre B était de 9 % et le rendement du titre C était de 10 %. Quel est le rendement du titre D? Donc, mon portefeuille au temps T est égal à 0, il vaut 400 000. Au temps T est égal à 1, mon portefeuille de 400 000 a fait du 10 %, donc il vaut 440 000. J'ai 100 000 qui a fait du 8 %. J'ai 100 000 qui fait du 8 %, j'ai plus 100 000 qui a fait du 9 %, plus 100 000 qui a fait du 10 %, plus 100 000 qui a fait un certain taux d'intérêt ou un taux de rendement I pendant l'année. Et le taux de rendement, où est-ce que ça remplit cette équation, c'est 13 %. Alors, question 10. Le taux effectif d'intérêt est de 7 %. Une obligation corporative de 10 ans qui verse des coupons semestriels, donc deux fois par année, donc 20 coupons semestriels, verse des coupons de 30 $. Si la valeur nominale de l'obligation est de 1 000 $, quel est le prix de cette obligation? Donc, 7 %, c'est un taux effectif. On doit trouver un taux périodique, alors un taux qui est payé aux 6 mois. Et le prix d'une obligation, bien, c'est égal à la valeur présente de tous ces paiements. Alors, on a 20 paiements de 30 $ à ce taux, plus 1 000 $ qui va être versé dans 20 semestres. Alors, on économise 1 000 $ dans 20 semestres. Et c'est égal à 937,01. Votre calculatrice, elle est construite pour faire ce calcul. Paiement, ben c'est le coupon périodique. N, c'est le nombre de périodes. Future value, c'est la valeur nominale. Et I, c'est le taux d'intérêt. Compute present value, et ça va vous donner votre prix, la valeur de votre obligation. Alors, la valeur de tout outil financier, de tout actif financier, est égale à la valeur présente de tous ces cash flows futurs. Question 11. Une compagnie financée par 48 000 actions ordinaires à 25 $, 700 000 $ de dettes et 10 000 actions privilégiées à 10 $, donc 100 000 $ d'actions privilégiées. Le bénéfice net de la compagnie sera 240 000 durant l'année prochaine. Alors, on a 240 000 répartis sur 48 000 actions ordinaires. Donc, ça a l'air que chaque action fait un bénéfice de 5 $.
Le taux de rétention de la compagnie est de 50 %. Ça veut dire que la compagnie réinvestit 50 % de ses profits. Le 240 000, elle va réinvestir 120 000 et elle va payer 120 000 en dividendes. La compagnie n'envisage pas augmenter les dividendes prochainement, donc G est égal à zéro. La compagnie est imposée à 25 %. Quel est le rendement attendu par les actionnaires ordinaires? Alors, on n'a pas besoin ici du taux d'imposition. On a besoin du taux d'imposition quand on veut calculer le coût du capital de la firme. Alors, quel est le rendement attendu par les actionnaires ordinaires? Alors, chaque action, ben, la valeur totale des profits de la compagnie, du bénéfice net, c'est 240 000. Net income, 240 000, réparti sur 48 000 actions ordinaires. Donc, le bénéfice par action, earnings per share, c'est 240 000 divisé par 240 000 $ divisé par 48 000 actions. Chaque action a un profit, bénéfice par action de 5 $ earnings per share. On verse 50 % en dividende, on retient 50 %. Ça veut dire qu'on versera un dividende de 2,50. Le prix d'une action est égal au... Alors, selon le modèle de Gordon, le prix d'une action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. On dit que le prix de l'action est égal à 25 $. Le dividende au temps 1 va être de 2,50. Le rendement des common shares, c'est ça qu'on recherche. Et le taux de croissance des dividendes est de 0 %. Alors, ça veut dire que les actionnaires s'attendent à du 10 %. Le rendement des common shares, le rendement des actions ordinaires est de 10 %. Problème 12. Un quart du portefeuille est investi dans A et trois quarts est investi dans B. Le rendement du titre A est de 10 %. Sa variance est de 50 % au carré. Ça devrait être 50 % au carré. Mais hein, je vais l'enlever, sinon les étudiants vont mal comprendre. Le rendement attendu du titre B est de 8 %. Sa variance est de 35 %. Je vais le noter comme ceci. Alors, 0,35. La corrélation entre les deux titres, elle est parfaite. Ça veut dire que la corrélation, elle est parfaite. Rho est égal à 1. Quel est l'écart type de ce portefeuille? Donc, je veux savoir quel est l'écart type d'un portefeuille qui est un quart A, trois quarts B. Pour calculer l'écart type, je dois passer par la variance. Quelle est la variance d'un portefeuille qui est un quart A, trois quarts B? Je calcule la variance et la racine carrée de cette variance, c'est mon écart type. Donc, la covariance divisée par l'écart type de A et l'écart type de B me donne la corrélation. Donc, la corrélation fois l'écart type de A fois l'écart type de B me donne la covariance. Donc, la corrélation, elle est parfaite, est égale à 1. La variance du titre est de 0,5. Donc, la racine carrée de la variance, c'est racine carrée de 0,5. La variance du titre B, c'est 0,35. Donc, l'écart type du titre B, c'est la racine carrée de 0,35. Ce qui veut dire que la covariance entre A et B est de 0,41833. Une covariance, on ne sait pas si c'est, le chiffre ne veut rien nous dire. C'est la corrélation qui nous dit l'importance de la variance. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est que les deux titres A et B bougent ensemble parce que le signe est positif. Donc, par la suite, la variance de 0,25A plus 0,75B, c'est la formule, la variance de AX plus BY plus C. Ici, C est égal à 0. C'est égal à 0,25 au carré fois la variance de A plus 0,75 au carré fois la variance de B plus 2 fois 0,25 fois 0,75 fois la covariance entre A et B qu'on vient juste de calculer. Et donc, la variance de 1 quart A, 3 quart B, c'est 0,38499. La racine carrée de la variance, c'est l'écart type. Et donc, l'écart type de ce portefeuille est de 0,62 %. Problème 13. Le titre A peut avoir un rendement égal à 10, 8, 6, 4, 2, 0, moins 2 ou moins 4 % avec probabilité égale. Donc, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités. Alors, tu as une chance sur 8 d'avoir 10 %, une chance sur 8 d'avoir 8, une chance sur 8 d'avoir chacun de ces rendements pendant l'année. Le titre B peut avoir un rendement de 25, 20, 15, 10, 5, 0, moins 5 ou moins 10 avec probabilité égale. Quelle est la covariance entre les deux titres? Donc, pour calculer la covariance, alors la covariance, c'est la somme des 8 combinaisons possibles. Alors, X,
Et Y, A et B peuvent avoir 8 possibilités. C'est la somme de tous les X, tous les A moins la moyenne fois B moins la moyenne fois 1 huitième. Alors, on fait la sommation des 8 combinaisons possibles. Pour ceci, on doit trouver la moyenne de A et la moyenne de B. La moyenne de A, bien, c'est la somme de toutes les possibilités. Alors, c'est la somme de toutes les possibilités divisées par 8, parce que c'est une probabilité égale. Mais une meilleure façon de le faire, c'est tout simplement 10 % fois 1 huitième, 8 % fois 1 huitième, et ainsi de suite. En moyenne, le rendement du titre A est de 3 %. De même, pour le titre B, on fait 25 % fois 1 huitième, 20, plus 20 % fois 1 huitième, et ainsi de suite. Le rendement moyen du titre B, c'est 7,5 %. Donc, la covariance, c'est pour ces 8 combinaisons possibles. C'est la somme des 8 combinaisons possibles. Alors, 1 huitième fois la possibilité de A moins la moyenne de A fois la possibilité de B moins la moyenne de B pour chacune des combinaisons possibles. Et on fait ça. Et alors, pour les 8 combinaisons possibles, la covariance entre A et B est égale à 0,00525. Alors, normalement, ces questions-là, j'aurais une deuxième étape. La deuxième question, je demanderais... Alors, une question serait, quelle est la covariance? La prochaine question serait, quelle est la corrélation? Alors, parce que c'est un calcul qui est assez long. Par contre, je vais vous avertir, les calculatrices Sharp, les calculatrices Sharp sont capables de plugger toutes ces données dans la calculatrice et vous pèsez juste un bouton et ça vous donnerait la covariance. Alors, il y a une façon de répondre à cette question juste en pluguant les données dans votre calculatrice. Mais je ne peux pas vous aider là, je ne connais pas votre calculatrice. Question 14. Une rente de retraite paye 24 000 à la fin de chaque année perpétuellement. Alors, c'est une perpétuité de 24 000 avec aucune croissance. Juste avant le paiement du prochain versement, le prestataire décide de convertir la perpétuité en une rente due de 30 ans. Si le taux d'intérêt de 6 %, quel est le montant de la nouvelle rente? Donc, aujourd'hui, on a une perpétuité, un premier paiement dans une année. Donc, la valeur de cette rente aujourd'hui, c'est 24 000 divisé par I, R divisé par I, 400 000 $. Dans un an, le premier paiement était dû. Donc, juste avant le versement de 24 000, le 400 000 qu'on a de valeur accumulé à du 6 %, il vaut 424 000. Normalement, on recevrait 24 000, puis la rente redeviendrait 400 000. C'est comme ça qu'on est en train de payer 24 000 par période, on paye juste les intérêts. Donc, elle vaut 424 000, et on décide de changer cette rente d'une perpétuité à une annuité due de 30 périodes payables en début de période. Alors, le premier paiement qui serait immédiat. Alors, quelle est la valeur de R, le montant de la rente? Donc, la valeur présente de la rente, c'est 424 000. J'ai N paiement de 30. J'ai un taux d'intérêt de 6 %. Compute payment, ça me donne une valeur de R qui est égale à 29 059 et 56. Question 15, c'est une question qui est toujours valable, mais c'est une question qui était plus complexe que ce qui était nécessaire dans le cours. En exercice, vous pouvez la faire, mais c'est plus une question d'algèbre. Ce n'est pas vraiment une question de finance. C'est pour ça que je ne pose plus ces questions-là. Alors, c'était une équation quadratique si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas le genre de question que je vais demander. C'est une question qui est valable. C'est pour ça que je ne l'ai pas effacée. Mais je ne vais pas passer du temps dessus. Alors, utilisez les informations suivantes pour 16 à 19. Alors, les rendements possibles pour deux titres se trouvent dans le tableau suivant. Alors, tu as X et Y. 40 % on a un boom économique, X fait du 30 % Y fait du 25 %. 50 % du temps, on a une économie normale, X fait du 12 Y fait du 15 Et 10 % du temps, on a une récession, X fait 0 Y fait 5 %. Un portefeuille composé seulement du titre X, quel est l'écart type du rendement de ce portefeuille? Alors, on commence par calculer l'espérance de X. Alors, c'est la somme de toutes les probabilités fois la possibilité. Par la suite, on fait l'espérance de x au carré. Alors, c'est la somme de toutes les probabilités fois 0,3 au carré plus 0,5 fois 0,12 au carré plus 0,1 fois 0 au carré. Et ça nous donne l'espérance de x au carré. La variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Et la racine carrée, c'est l'écart type. Question 17. Si le portefeuille est composé en proportion égale, ça veut dire 50 % X, 50 % Y,
quelle est la variance de ce portefeuille? Donc, pour faire ce calcul, on doit calculer la variance de Y. On a déjà la variance de X. Par contre, si jamais vous avez une question de ce genre à l'examen, je donne, même si vous êtes trompé pour la première question, la deuxième question, je suis l'erreur. Donc, on doit calculer l'espérance de Y, l'espérance de Y au carré, et en conséquence, on peut calculer la variance. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Ce n'est pas demandé dans la question, mais si vous voulez la calculer, elle est là. Quelle est la variance du portefeuille? Bien, on doit aussi calculer la covariance de ce portefeuille. Donc, 40 % du temps, X vaut 30 % sa moyenne est de 18, Y vaut 25 % sa moyenne est de 18. 50 % du temps, X fait du 12, la moyenne est de 18, Y fait 15, la moyenne est de 18. Et 10 % du temps, X fait 0, la moyenne est de 18, Y fait 5 %, la moyenne est de 18, on calcule notre covariance. Ce chiffre est positif, ça veut dire que X et Y ont tendance à bouger dans le même sens. Et on peut voir que quand X baisse, Y baisse aussi. La variance d'un portefeuille 50 % X et 50 % Y, bien, c'est 0,5 au carré fois la variance de X qu'on a calculée à la question 16, plus 0,5 au carré fois la variance de Y qu'on vient juste de calculer, plus 2 fois 0,5 fois 0,5 fois la covariance entre X et Y, et ça nous donne la variance de ce portefeuille, 0,007025. Alors, question 18, expliquer le principal de réduction du risque par la diversification. OK, alors, chaque titre a un risque spécifique à la compagnie qui est mesuré par bêta et un risque qui est du marché. Alors, le risque du marché, même si j'ai tous les titres du marché, je vais tout le temps avoir le risque du marché. Mais le risque qui est spécifique à une compagnie est diversifiable. Donc, si j'ai deux compagnies qui n'ont pas une forte corrélation entre elles, j'ai tout le temps le risque du marché, mais le risque de chaque compagnie vient de s'annuler. Alors, un bon exemple de diversification en ce moment. Oh, pardon. Supposons que vous avez une banque et une compagnie de pétrole et Facebook. Alors, Facebook se fait ramasser en ce moment. Les banques, ils ne bougent pas trop, mais les compagnies de pétrole fonctionnent super bien. Donc, si tu as juste du tech dans ton portefeuille, en ce moment, ça va super mal. Si tu as juste du pétrole dans ton portefeuille, en ce moment, ça va super bien. Par contre, quand tu les mélanges, tout t'enlèves le risque d'avoir des grosses pertes. Mais par contre, le risque du marché, tu ne peux pas l'éliminer. Pourquoi? Alors, ça fonctionne juste si les corrélations entre les titres ne sont pas parfaites. Alors, si on a un portefeuille avec les 5 grosses banques canadiennes, on n'a pas un portefeuille qui est diversifié. Alors, c'est quelque chose qui arrive chez TD, le prix de TD va être affecté, mais toutes les banques vont être affectées. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont juste investies dans les compagnies FANG. Alors, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft. Alors, en ce moment, ils se font complètement laver. Et comme je vous ai dit, moi, je suis investi juste dans le pétrole. Le pétrole est à la hausse, alors j'ai eu une super bonne année. Par contre, je le sais que le pétrole peut baisser. Si le prix du pétrole baisse, moi, mon portefeuille va se faire laver. Si tu as un portefeuille qui est avec 30 titres et tu peux avoir aussi peu que 15 titres, vu que les corrélations ne sont pas parfaites entre elles, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les risques spécifiques à chacune de ces compagnies, ils vont comme s'éliminer. Alors, si tu as de l'or dans ton portefeuille et tu as une compagnie high-tech, je veux dire, en ce moment, quand la bourse plante, généralement, le monde se cache dans l'or. Alors, tu as un titre qui est à la hausse, un titre qui est à la baisse. En moyenne, un portefeuille diversifié va te faire du 10 % par année, en moyenne. Par contre, qu'est-ce qu'on voit en 2022, c'est que c'est à la baisse. En 2009, c'était à la baisse de 50 %. À court terme, ça peut monter, ça peut baisser, ça peut rester flat. Donc, la diversification, avec assez de titres, t'enlève ou tu mitiges le risque spécifique à chacune des compagnies. Mais juste si les corrélations entre les compagnies ne sont pas parfaites. Alors, question 19. Le portefeuille est composé en proportion égale entre le titre X et Y. Quel est le coefficient de variation du portefeuille? Donc, un portefeuille 50 % X, 50 % Y, le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé par l'espérance. Donc, l'écart type, l'espérance du portefeuille, c'est l'espérance d'un portefeuille 50 % X, 50 % Y. Alors, un titre fait 18 %, tu as 50 % qui fait du 18 %.
et tu as 50 % de ton portefeuille qui fait un autre 18 %. Donc, tu fais du 18 % avec ce portefeuille attendu. Le coefficient de variation, ben, c'est la variance du portefeuille divisé par l'écart type du portefeuille divisé par l'espérance. Donc, on prend la racine carrée de la variance du portefeuille divisé par l'espérance du portefeuille. Et donc, le coefficient de variation de ce portefeuille de 0,4656. Le coefficient de variation, c'est comme une mesure d'assurance. Quel est le risque autour de chaque dollar investi? Alors, c'est une mesure du risque. Alors, l'écart type, mais réduite pour chaque dollar qui est investi ou pour chaque pourcentage attendu. Alors, on souvent appelait ça le coût de l'assurance. Alors, c'est le risque par dollar ou le risque par 1 % de taux d'intérêt.